Emma, dessous là, j'ai vu la photo d'Emma Louest. J'ai cru que c'était une. Il y avait une madame qui faisait une émission française. Façon, je sais même pas. J'ai dit, c'est Emma qui est là. On dit, c'est elle qui est là. J'ai dit, aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue d'une manière. Non. Et puis j'ai vu, elle a dit que c'est les pauvres qui la critiquent, qui la détestent. Nous, on ne te déteste pas. Emma, on te déteste. Pourquoi? C'est vrai, quand tu as eu problème avec. Comment il s'appelle? C'est le bon. Tu as eu problème avec le gars de maison là. Ah, nous, on a pris du côté du gars de maison là. Mais vers la fin là, c'est Denis Glisier d'une manière. Mais deux jours, la façon que tu apparais là. Si on t'a dit là-bas que tu es belle comme ça, on t'a menti. Photo que nous, on a vu sur réseau actuellement deux jours là. Emma, c'est à toi, il m'adresse. Photo qu'on a vu là. Emma, tu sais, il y a des personnes dans la vie grossies là. C'est joli avec elles. Il y a des personnes comme ça. Quand elle perd du poids, c'est comme nous autres comme ça. Là. Quand je perds du poids, mon cou là devient long comme ça. On dirait un héron garde-bœuf dans la forêt. Tu as des gens comme ça. Toi, je ne sais pas comment tu étais. Si tu étais adolescent, tu étais potelé, tu étais bien. Mais je ne sais pas qui t'a menti qu'avant tu n'étais pas belle. Je ne sais pas si on t'a menti. Parce que je me dis que souvent on vous ment. Une femme, tu peux aller te refaire, mais dans la limite de comment tu étais. Même quand on se refait là, on garde ce qui est là avant. C'est ça. Ah, en tout cas, maigrir n'est pas joli avec toi. Mais si on t'a dit que non, quand tu perds du poids, c'est joli avec toi, de temps, on t'a menti. Comment tu étais avant là, avec ta beauté innocente, où tu avais un peu tes petites joues, et puis tu étais bien. Mamie, tu étais belle comme ça. Aujourd'hui, tu ressembles à une femme de 50 ans passé. On me met, hein, parce que vous faites les maquillages fins là-bas. Donc quand vous voyez là, vous dites que vous êtes plus belle. Mais où tu es là, on te met. Et puis hein, mon petit maquillage, j'ai mis, nous deux, on nous met là. Je te jure, voilà, ils ont pensé que tu es ma grande soeur de vieille partie. Qui t'a menti que tu n'étais pas jolie avant? Une femme, tu peux aller refaire ton corps. Tu peux aller t'arranger un peu. Mais quand tu vas t'arranger là, il faut regarder comment tu étais avant. Hein? Si on t'a dit que maigri est joli, toi, on t'a menti actuellement là. Tu n'es pas belle de... Non. Actuellement, là, tu n'es pas belle. Tu n'es pas belle partout. Tu as fait des milliards de maquillages, des pâtes d'arachide. Tu as déposé sur ton visage les fossiles, on dirait les herbes de la brousse ici. Tout. Mais tout ça encore, ça te vieillit plus encore. Le ventre, là, oui, c'est vrai. Tu as fait une maternité. Tu as allé un peu arranger le ventre. Mais avant, il était mieux. C'est ça. Quand on va parler, on va dire qu'on est jalouse. Jalouse de quoi? En tout cas, ceux qui te disent que tu es belle en ce moment-là, elles te blaguent. Actuellement, tu n'es pas belle. Pardon, faut manger un peu encore. Parce qu'on dit que deux jours là même, tu ne mangeais pas un moment-là. Un moment, tu étais un peu malade, on dirait un genre. Ou bien, tu as fait une chirurgie bariatrique. C'est une question que je pose. Parce qu'on ne peut pas maigrir de façon drastique comme ça. Tu as fait une chirurgie bariatrique ou bien chirurgie bariatrique, c'est où on s'en va comment? Oui, les herbes de la brousse. Prendre les herbes de la brousse là, déposer sur ton visage, tout et tout. Peut-être que tu as fait une chirurgie bariatrique, c'est pour ça que tu as maigri de façon comme ça, sinon, c'est trop. Tu comprends? Faut manger un peu deux jours, prends un peu de vitamines, tu as grossi un peu, ça allait avec toi. Parce qu'actuellement là, ton visage est comme pour les femmes. Yeri, quand on regarde ton visage, tu ressembles à John Collins. Comment elle s'appelle celle-là? John Collins, c'est son vrai nom. Mais son nom de show, Alexis Colby. Tu es devenu comme Alexis Colby quand il était dans ses 60 ans ou dans ses 50 ans passés, le visage est devenu comme ça. Pourquoi? Tu es bien avec la chair. Si on t'a dit autre chose, on t'a menti. Tu comprends? Non. Régime ne peut pas faire devenir et rendre l'homme comme ça. On t'a blagué là-bas, disant tu es trop belle, tu as pris photo, ou tu as fini de couper ventre, la plaque. C'est comme ça que ton ventre était avant. Non. Tu n'es pas belle en ce moment. Tu comprends? Arrête de mettre ta santé en danger. Les chirurgies, vous faites là. Il y a les dangers dedans aussi. Tu as fait un peu, une fois. Tu as fait ton joline. Ton joline est même épaté. John Collins. Alexis Colby dans Dynasty. Actuellement, même, tu ressembles à Latoya Jackson. La soeur de. Merci beaucoup. Qui a dit ça? Stéphanie Kofi. C'est ça. Ton nez épaté là. Il a dit, quand Dieu merci nous, c'est pourquoi. Le nez que tu avais avant là. Le nez là même, t'allais. Parce que le nez te donnait un nez innocent, on te regardait. C'est-à-dire, ça te faisait chic. Ça te donnait ton petit air chic. On voit, c'est la Emma Lolo. C'est-à-dire, ça te donnait tout ton petit côté enfantin, ce nez-là. Tu as dit que le nez que ton père, ta mère, ton accouché ne te plaît pas. Tu n'as pas dit faire un nez comme ça. Bon, si on a fait comme quand pincer le nez-là, il a dit, va t'affaire de pincer le nez-là. Si quelqu'un n'est pas resté dedans, vous n'allez pas arrêter. C'est ça, hein?
à côté. On a fait nez, on a fait sein, on a fait fesse. Maintenant, la même là. C'est toute la chair même qui était sur le ventre là. Tu es parti enlever à Mounia. Moi, je ne suis pas ta camarade pour rentrer dans ton inbox pour aller te donner conseil. Donc, c'est ça, on vient vous donner conseil sur la place publique. Tu fais, ça dit la chirurgie esthétique là, tu pousses trop là-dessus. Faut diminuer un peu. Parce qu'on ne te voit pas dans les salles. Tout ce que vous faites là, vous montrez au grand public. Si tu faisais le sport là, allez là, tu étais dans une salle de sport où tu nous avais montré. Tu ne fais pas de sport là-bas. Hein? C'est clair. Ah, vraiment, il faut diminuer. Si elle est enlevée ici, ce n'est pas fini. Hein? Ça, c'est des gens pour venir distraire les gens. Je ne t'ai pas enlevé, c'est fini. Das Love Sinclair, comment va? Donc vraiment, deux jours là, il faut manger un peu. Il faut prendre un peu de baka avec un peu de nonon là. Un peu de, tu vois, les bouillies du matin là, bouillies de mille là. Tu remplis ça de lait dedans comme ça bien. Tu prends ça chaque matin, ça va te donner un peu de force. Nous, on aime quand tu as un peu de joues. On aime quand tu as des joues, quand tu as un peu de chair sur toi, ça te va. Maigrir va pas être tout le monde. Donc, qui t'avait dit que ta forme n'était pas bien? Oh, faut pas faire ça. Parce que quand on te voit comme ça, une jeune fille qui n'a même pas encore atteint la quarantaine, tes photos passent sur les réseaux sociaux, on dirait une vieille mamie de 50 ans passée. Ah, yeah, pardon. Tu n'as même pas encore grand-mère. On laisse ça. Non, allez, on connaît ça. Il n'y a pas vrai sujet. Allez, le vrai sujet ne donne pas. C'est débrouillardise, on fait, et puis on vient parler des sujets. Sinon,